fait mon diplôme de dessinateur en super réalité. Alors qu'est-ce qu'un dessin de super réalité? C'est un dessin dont on a l'impression que les objets sont réels. Oui. Alors passons tout de suite à la pratique. Voilà mon tableau. Mon tableau sur lequel je vais faire un dessin. Je fais quelques petits repères. Voilà. Là, comme ceci. Et là, maintenant, je commence mon dessin. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais dessiner. Des boules. Voilà mon dessin en super réalité. Vous n'avez pas l'air de me croire, là. Madame, ici, au premier rang, est-ce que vous pouvez me désigner une boule? La boule rouge. Ok, celle-ci. C'est la réalité. Une deuxième, madame. La rouge aussi. Celle-ci, au milieu. Là. Je vois que vous avez quelques doutes. Alors, je vais vous faire un dessin un peu plus parlant. Voilà, comme ceci. Alors, pour le deuxième dessin, je vais reprendre mon joli feutre. Et là, alors là, grande précision. Hop, concentration. Hop, et voici. Et deux yeux. Alors maintenant, pour faire ce personnage, je vais tout simplement faire le visage, les oreilles, voilà, quelques cheveux. Nous allons également faire ici la bouche avec un petit sourire. Qu'est-ce qui lui manque, les enfants? Le nez. Voilà. Et les sourcils, comme ceci. Oui. Je vais lui faire également son cou. Et là, on va lui faire un petit peu de barbe. C'est la barbe à papa. Et voilà, barbe à papa, barbe à papa. Une petite moustache. Voilà. Et voici mon dessin super réalité. Comment? Ça bouge? Non mais attendez, c'est un dessin super réalité, mais de là à ce qu'il bouge quand même, faut quand même pas exagérer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on dirait qu'il est vivant. Monsieur, vous êtes vivant? Oui, bien sûr que je suis vivant. Mais il y a longtemps que vous êtes vivant. Ça fait 2 minutes. 2 minutes? Mais oui, c'est moi qui l'ai dessiné. Suis-je bête? Et dis-moi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux me rendre un service? Tu veux un service? Oui. Et qu'est-ce que tu veux comme service? Je voudrais un chapeau. Tu veux un chapeau? Pas de problème, je sors mon petit feutre et là je te fais un chapeau. Un chapeau de forme pour monsieur. Ça te va comme ça? Oui, je voudrais que tu me rases. Tu veux que je te rase? Oui. Comment voulez-vous que je rase un dessin, moi? Je peux pas te raser. Mais si, dans ta poche. Dans ma poche? Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Un rasoir, c'est mignon. Et dis-moi, t'aurais quand même pu prendre un dessin, un rasoir un peu plus moderne, je sais pas, un jetable par exemple. Et la solution alors? Oui, tu as absolument raison. Alors je vais te raser. Oh, non, qu'est-ce qui se passe? Ça chatouille. Ah, ça chatouille. Concentre-toi, tu es un homme quand même. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pique. Oh, c'est pas possible. Écoute, tu veux être beau, tu veux un chapeau de forme pour sortir, sois courageux, il faut te raser. Hein? Alors, tu vas sortir maintenant? Oh, il me faut une cravate. Tu veux une cravate? Bon, allez, je reprends mon stylo magique.
je vais te dessiner une cravate. Ah. Je suis désolé, je peux pas te dessiner de cravate, il n'y a pas assez de place sur le tableau. Ah, un peu d'effort. Bah, attends, vas-y, fais-le toi-même, un petit peu. Oui, je reconsente. Il y a une cravate. Super, génial. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi tu veux tout ça? Tu t'apprêtes à sortir, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un casting. Un casting? Oui, je veux être acteur. Tu veux être acteur? Eh bien, figure-toi que moi, j'ai un rôle pour toi. C'est vrai? Oui, regarde. Le casting, c'est... Ah, écoute, je te donne le rôle de l'homme invisible. Je vais vous présenter mon chapeau. Oui, parce que mon chapeau, il est un peu spécial. Parce que c'est un chapeau, figurez-vous, messieurs, dames, les enfants, c'est un chapeau qui chante. Il chante. Je vais essayer de vous le faire chanter. Il est un peu têtu, vous savez. Allez, une. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il s'appelle Bob. Bob le chapeau. Mon cher Bob, peux-tu nous chanter une chanson, s'il te plaît, pour le public qui est ici devant nous? Bob, peux-tu nous chanter une chanson pour le public qui est devant nous? Bon, je vais utiliser un peu la manière forte parce que je vous avais dit, il était dur. Bouchez-vous les oreilles. 1, 2, 3. Extraordinaire, des enfants super sympathiques. Est-ce que tu pourrais leur chanter une chanson, s'il te plaît, Bob? Non. Attends. Bob, le chanteur, ne veut pas chanter? Non. Monsieur, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu veux pas chanter? Il faut une raison valable, quand même, nous sommes à Béthune. Hein? Parce qu'ils sont extraordinaires. Et je vois personne. Tu vois personne? Bah, ouvre les yeux, les enfants, franchement. Ah. Les yeux. Voilà! Comme ça, tu vas voir ton public. Alors, mon cher Bob, maintenant, tu peux nous chanter une chanson. Non. Attends. C'est pas possible, Bob. Et pourquoi tu veux pas chanter une chanson? Parce qu'il faut du coffre. Il faut du coffre. Écoute, on est venu en voiture, on a fait une heure de route, t'as eu du coffre, hein, quand même, t'exagères. Hein. Espèce d'idiot! Le coffre du chanteur! Le coffre du chanteur! Mais bien sûr, messieurs, dames, le coffre du chanteur! Alors maintenant, on va pouvoir y aller. Oui, c'est parti. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends. On va te mettre une petite touche de classe. Voilà, hop, comme ceci. Et maintenant, tu vas pouvoir chanter. 1, 2, 3, maestro, musique. Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly, you're still growing, you still go through. I feel the room.